coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale pour les énergies du 13 mai. J'espère que vous allez bien les amis, un très très grand merci à vous toutes et tous pour tous les messages bienveillants envers moi-même. Vraiment une grande grande gratitude envers vous, hein, du plus profond de mon cœur, de mon âme. Pour toutes les personnes qui aussi m'ont demandé donc des guidances privées, pas d'inquiétude, cela va se faire entre la journée de demain à samedi. Comme vous le savez, je ne peux pas tout faire en même temps et j'ai d'autres choses à faire aussi, hein, je dois me partager. Voilà. Sachez que ce sera une petite guidance puisque j'ai encore d'autres choses à faire, hein, comme vous le savez. Et j'ai une petite surprise pour vous. J'ai fabriqué un oracle. Alors attention, c'est un oracle simple, naturel, avec des mots simples, avec des mots faciles à comprendre. Mais cela a été fait avec mon cœur, mon âme et en plus de ça avec l'aide de mes guides d'amour, ne l'oublions pas. Voilà les amis, donc on va déjà aller voir quel ange de l'Atlantide est avec nous pour cette guidance donc générale. Soit vous prenez toute la vidéo, soit par petits passages et puis si rien ne vous correspond, si rien ne vous parle, vous zappez tout simplement la vidéo. Ok les amis ? Allez, go! Et puis après, je vais vous présenter mon petit baby oracle. C'est fou! C'est fou parce que entre 4... ouais, c'est ça je crois, j'ai dû mettre 3, 4, 4, 5 heures à le faire. Ouais, magnifique. Allez, on va aller voir. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour. Oh, ça parle! Ouh, on a... Oh, alors là, ça, les guides ont des messages à vous faire passer grâce aux anges de l'Atlantide, hein, les amis. De toute beauté. Alors, première, deuxième, troisième. J'adore faire comme ça. Alors là, nous avons l'ange Michel et il vous dit la patience. La patience. Soyez encore dans une forme de patience. Il y a quelque chose là qui va se mettre en mouvement, mais on vous demande encore une micro-patience. J'entends micro. Vous voyez vraiment tout petit. Voilà. Parce que ça va enfin arriver là. Hein. Vous allez voir vraiment le bout du tunnel. On me dit, vous allez enfin vous apercevoir peut-être aussi un côté d'une issue aussi. On me dit là maintenant de suite en canalisation. Il y a peut-être pour certains, certaines aussi une forme de triangulaire aussi, j'entends, hein, vraiment avec bah, forcément le triangle, mais les trois triangles. Et aussi, on me dit, pas d'inquiétude de toute façon, même si vous êtes dans une situation assez compliquée, assez complexe, on vous dit de toute façon, vous allez avoir un certain élévation, évolution. Donc, pas d'inquiétude. Ensuite, oh yeah! Regardez, hein. Nous avons l'ange Raphaël et vous dit communion. Alors, pour certains et certaines, peut-être aussi que vous faites des communions, vous avez une communauté, là j'entends de suite comme la mienne finalement, et puis on vous demande de la patience, peut-être aussi pour que celle-ci s'accroître. Peut-être que vous êtes dans un début de communauté, peut-être que vous êtes dans un début de chaîne vous êtes peut-être dans une certaine inquiétude de savoir si cela va marcher ou pas, mais on vous demande de la patience là, hein, pour les personnes à laquelle cela parlera comme ceci, hein, d'accord? Ou alors aussi là peut-être on me parle là maintenant de suite aussi un rendez-vous. Hein, il est fort possible que vous ayez un rendez-vous qui arrive à vous. On vous demande de la patience pour ce futur rendez-vous. Alors, c'est soit avec votre futur autre ou une tierce personne selon à laquelle cela vous parlera. Ou bien aussi une réunion d'affaires, une réunion de plusieurs personnes. Peut-être aussi de fête, sachant qu'on va être bientôt en fin de confinement, entre guillemets, j'entends bien.
Et puis, là, on vous dit pas d'inquiétude avec l'ange Zad, qui est elle. Pas d'inquiétude, on vous dit qu'il y a la sécurité qui est là. Hein. Donc, restez dans une forme de patience, restez dans la communication aussi, dans les rendez-vous, dans les réunions. Pourquoi? Parce que, de toute façon, vous êtes quand même des personnes à laquelle vous allez attirer les personnes à laquelle vous êtes connectées. Pardon, je vais y arriver. Il y a une certaine connexion, il y a une certaine alchimie, il y a une certaine bonheur, une harmonie qui arrive vers vous grâce donc à la communion, au rendez-vous, soit avec une tierce personne ou bien plusieurs personnes. C'est à vous de voir, c'est à vous de savoir dans laquelle situation à laquelle vous êtes présentement, mais on vous demande pas d'inquiétude parce que dans tout cela, il y aura la sécurité. Vous êtes protégé. Ok les amis, de toute beauté, on a donc. Voilà les amis, donc on va aller voir, merci mes anges de l'Atlantide qu'on aime, qu'on a l'habitude d'avoir. Alors, qu'est-ce que je fais là? Est-ce que... Alors, qu'est-ce que je prends? Ok. Là, on va prendre, voilà, il me semble que j'ai déjà pris il n'y a pas longtemps, je ne sais plus. On va prendre l'oracle des miroirs, il m'appelle, et après, je vais vous montrer ma petite surprise que j'ai fabriquée aujourd'hui entre 3 et 4 heures, hein, de toute beauté. J'adore, on ne va pas parler français toujours, mais pas grave. Hein. Ah oui, je suis excitée les amis, hein. Il y en a beaucoup qui se disent que je suis exactement... J'ai hâte de vous présenter ma petite beauté, mon petit baby. Regardez, femme, oh là là, je me projette, je me vois telle que... Ah ouais, magnifique. Ou vous-même, hein, je dis moi, je sais pas, lapsus. Hein. Comme quoi, hein, vous voyez, des fois. Hein. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous bien, hein, franchement... C'est ce qui est le plus important, hein, de se sentir bien, d'être bien avec soi-même, bien avec son corps. Voilà, on va aller voir ce qu'on nous annonce. On va mettre ceci comme ceci. Hop. Voilà, allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, y a-t-il des messages pour les personnes à laquelle cette guidance leur parlera et pour les énergies du 13 mai? S'il vous plaît. Ouh. Alors, qu'est-ce qu'on nous annonce là, les amis? Oh. Alors là, il y a un compromis, des négociations qui arrivent vers vous. Il y a une situation qui va s'équilibrer. Pourquoi? Parce que grâce avec ces discussions, cette communication, cette conciliation, cette négociation, ce compromis, eh bien, la situation va vous permettre de retrouver un certain équilibre. Ok. Là, on vous parle d'hérédité. Alors, il y a quelque chose là, on vous dit pas d'inquiétude parce que ce compromis qui arrive vers vous, cet équilibre qui arrive vers vous, et pour certains, vous en doutez, on vous dit non, c'est bien ancré dans la matière. Hein. C'est bien ancré dans la matière. Alors, peut-être que au jour d'aujourd'hui, c'est encore un petit peu caché, j'entends. C'est un petit peu encore dans tout ce qui se passe dans l'invisible, dans l'univers, dans les énergies qui flottent comme ça dans l'air, on me montre. Mais que bientôt, ça va bien se passer dans la matière parce que c'est quelque chose qui va s'ancrer. Hein, donc, qui va être réel dans la matière sur la Terre Mère Gaïa. Ok, les amis? Excusez-moi, hop. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ouh, ça part. Regardez. Là-haut, deux encore. Nous avons l'effet boomerang. Là, j'entends maintenant de suite, on me dit qu'il y a une situation qui va faire un effet boomerang. C'est-à-dire que cette conciliation, cette négociation, ce compromis qui va vous faire retrouver un certain équilibre, eh bien, on vous dit finalement pourquoi elle vient à vous, pourquoi cela va bien s'ancrer dans la matière, parce que vous le méritez. Vous êtes des personnes, oui, toi le consultant ou la consultante, on vous dit que vous méritez, hein, vous méritez cela, vous méritez ce qui va venir à vous. Regardez, magnifique, encore une notion de contrat, de papier, de signature.
peut-être des propositions d'engagement, j'entends. Ça peut être au niveau professionnellement, ça peut être au niveau achat immobilier, ça peut être aussi engagement amoureusement. Donc, c'est à vous de voir. Hein? D'accord? Allez, on va aller. Les amis, vous savez pas quoi? Non, mais un truc de ouf. Alors oui, hein, on est férié, j'ai parfait les ongles, je suis pas habillée, je ne suis pas lavée. Bref, hein, c'est vraiment caliente. Eh bien, écoutez, pour faire plaisir à mes enfants d'amour, eh bien, je leur propose de leur offrir donc un Mac, un ham, comme vous pouvez savoir, la suite. On ne fait pas de pub. Non, mais un truc de ouf. Donc, on va au drive, forcément, hein. Et puis, je baisse déjà la vitre et tout. Et puis, on attend qu'on nous réponde à une espèce de micro, là, microphone, je sais pas quoi. Et puis, donc, j'ai mon Juju à côté de moi qui me dit, qui me parle. On se demande ce qu'on va prendre pour nous-mêmes parce qu'on avait la liste pour les autres. Et d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, je retourne ma tête en me disant, mince, c'est dans combien de temps qu'on va prendre notre commande. Donc, je retourne ma tête, oh putain, il y a un mec qui arrive, et je fais comme ça, oh putain, le con, il m'a fait peur. Mais si vous voulez, je m'entends pas dire, vous voyez, parce que je suis pas comme ça, je suis dans le respect, hein, pour ceux et celles qui me connaissent quand même depuis un petit moment maintenant, et je m'en étais même pas rendu compte, mais il m'a tellement fait peur, c'est sorti tout seul, mais je me suis pas entendu le dire, et mon juge d'amour qui me dit, mais maman, ça va pas, ben je dis, non, mais je dis, Jules, il m'a fait peur, mais il me dit, mais non, mais tu t'as entendu ce que t'as dit? Ah, je dis non, je lui ai dit qu'il m'avait fait peur, mais il dit non, tu lui as dit, tu lui as dit, oh le con, il m'a fait peur, le con, oh. Ah non, mais j'en rigole, mais je vous assure, j'ai tellement sursauté, on a eu un fou rire après, mais mon Juju qui me dit, maman, tu me fous la honte, hein. Mais non, j'ai pas fait exprès, c'est sur le moment, mais alors, j'ai eu un fou rire après, je n'arrivais plus à m'arrêter de rigoler, bon, c'était une petite aparté. Voilà, un petit bout de ma vie. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, y a-t-il d'autres messages pour les personnes... Oh, trois, j'aime pas trop bien. C'est quoi, Doudou, là? Allez, chérie, va vite dans le lit, ça te dit. Doucement. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, y a-t-il d'autres messages? Ah, ouh, ouh. Là, ça tombe après, donc forcément, pas de soucis. Alors là, nous avons l'enfermement. Il y a des personnes peut-être que vous tournez en boucle ou alors ça peut être vous-même ou une tierce personne, d'accord? Donc là, on vous dit que vous êtes dans un espèce de renfermement, de mutisme. On me parle de mutisme, d'auto... comme si vous vous détruisiez vous-même avec des paroles et des pensées négatives, là. Ouh, pas beau, joli ça. Vous êtes en repli sur vous, vous êtes en... dans des peurs, dans des inquiétudes, j'entends. Alors, peut-être au niveau de... vous attendez peut-être quelque chose, hein, finalement, et vous n'avez toujours pas de nouvelles à cela. Donc, du coup, vous êtes en repli, en refermement, en autodestruction, en apeuré, en tristesse. Là aussi, où nous avons la carte enfant. Là, maintenant, de suite, j'entends, c'est pas forcément une notion avec vos enfants, si vous en avez, parce que tout le monde n'en a pas, forcément. Mais là, j'entends plutôt travailler votre enfant intérieur pour retrouver une joie de vivre, une harmonie et un bonheur. Vous êtes trop dans des énergies négatives, hein. D'accord? Et en plus de ça, regardez, n'en doutez pas, vous avez quand même une forme de chance, d'opportunité qui va arriver à vous. Matou, matou. Donc, donc, ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît, les amis, reprenez force, courage. Là, on vous dit, pour éviter d'être dans des énergies négatives, des pensées négatives, eh bien, essayez de travailler votre enfant intérieur ou essayez de passer par une certaine créativité dans tout domaine qu'il soit. Hein, c'est fort possible. Hein, d'accord? Et donc, il y a bien une chance qui arrive à vous, une opportunité. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides... Ouh, ça a sauté là. Regardez. Oui, je venais de vous le dire. Et vous allez avoir une joie, un bonheur, une harmonie retrouvée, la grâce.
à cette opportunité, cette chance qui arrive vers vous, et aussi peut-être grâce au contrat qu'on va peut-être vous proposer, contrat d'habitat, contrat de matériel, ou contrat de travail, ou contrat d'engagement avec un futur amoureux, amoureuse. Hein. C'est fort possible aussi, les amis, d'accord ? On va aller voir s'il y a d'autres messages avec celui-ci, et après on prendra le mien parce que je vais pas trop en faire, puisque ce serait une micro-guidance. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, y a-t-il d'autres messages avec cet oracle, s'il vous plaît? Y a-t-il d'autres messages avec cet oracle? Ouh, oh, bah trois, mais bon, c'est pas grave, donc on va faire... Une, deux, une, trois, ok. Non, Mathieu, par contre, tu restes là, chatoune, hein, d'accord? Oui. Alors là, vous voyez, vous allez être dans un carrefour de votre vie. Il y aura une situation qui fait qu'à un moment donné, vous allez devoir prendre des choix. Alors, j'entends là maintenant de suite, soit un choix à faire. On va peut-être vous proposer deux propositions. J'entends là maintenant de suite pour ceux et celles à qui ça parlera au niveau professionnel ou aussi peut-être au niveau habitation. J'entends peut-être des personnes qui souhaitent déménager ou qui ont déjà trouvé mais qui hésitent entre deux lieux d'habitation. Et j'entends aussi peut-être aussi un choix à faire de savoir si vous devez passer ou pas à l'action. Il y a peut-être une action à faire, vous bougez un peu. Alors c'est soit vous allez prendre la décision de vous bouger et de passer à l'action et tant pis selon les conséquences qu'il sera, ou bien vous allez faire le choix de rester stoïque et de ne rien faire et d'attendre. Mais tous ces événements qu'on vous annonce là maintenant de suite, on vous dit de toute façon il y a un peu de retard sur cette situation. Ça a pris du moins un petit peu de retard, d'accord? Donc ce compromis, cet équilibre que vous allez retrouver, ce qui va s'ancrer dans la matière et cette joie, ce bonheur, cette harmonie qui vous attend, une opportunité avec contrat dans différents domaines qui soient possibles, eh bien on vous dit cela aura pris un peu de retard, mais pas d'inquiétude, cela va bien arriver. Regardez aussi, il y a une forme de bouclier. Vous êtes quelqu'un peut-être aussi, on me dit là maintenant de suite, ou une tierce personne, qui est en forme de protection, vous vous protégez, vous mettez peut-être aussi des masques de peur de montrer vraiment tel que vous êtes, peut-être un petit peu trop formaté aussi, j'entends le mot formaté, mais là, j'entends là maintenant de suite, évitez, en retirez ce bouclier, n'ayez crainte, vous êtes quand même protégé. Vous avez une certaine protection du monde invisible, je l'entends là maintenant de suite. Donc, n'ayez pas d'inquiétude des événements qui pourraient arriver à vous. C'est tout naturel qu'il arrivera et avec bonheur, dos de deck, et après on va prendre le mien. Oui, regardez, là j'entends aussi une forme de triangulaire pour ceux et celles à qui ça parlera au niveau sentimentalement. Il y a des jalousies, il y a une tierce personne, il y aura des jalousies, il y aura des cancans, il y aura des pourparlers, mais avec méchanceté gratuite. Beaucoup, beaucoup de jalousie. Pour vous-même, le consultant, la consultante, ou bien une tierce personne, si vous pensez à une tierce personne, tout simplement, et si cela vous parle sentimentalement. Pas que, on me dit là aussi professionnellement parlant, vous pourriez rendre des personnes jalouses de votre personnalité et aussi de ce que vous allez émaner au niveau travail et au niveau joie, bonheur. Hein. Vous allez dégager une forme de... Toujours de gaieté, et ça va déranger les amis, ça va déranger, c'est dingue, hein, c'est fou, c'est dommage, quel dommage. Et aussi on me dit, là aussi au niveau des habitats, etc., ça va aussi prendre de la jalousie. De toute façon, on va pas se cacher, on va pas se mentir les amis, l'être humain, on est tous un peu jaloux pour X raisons. Moi après je le dis, du moment que c'est pas fait avec méchanceté, avec aigreur, avec, mal intentionné, voilà, hein, ça reste humain. Si c'est de la jalousie un peu bébé, moi je dis pourquoi pas, c'est humain. Mais après, dès que ça touche de la méchanceté profonde, agressivité, etc., etc., là je suis pas du tout d'accord. Hein. Voilà, tout simplement. Allez, on en arrête avec celui-ci et on va les prendre. Je vais vous montrer mon nouveau oracle que j'ai perfectionné aujourd'hui même. Alors j'aurais pas cru parce que je pensais faire un oracle, je vous l'avais dit, pour le mois d'août.
Il s'avère que je pense que mes guides m'ont dit non, 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 c'est trop loin, te prends pas la tête, tu fais ça avec ton cœur, ton âme, comme d'habitude, avec les mots à toi, on va t'aider, et voilà. Donc, c'est bien mon oracle qui est fait avec mes mimines, fait avec simplicité, fait avec mon cœur, mon âme, mais aussi avec mes guides d'amour que je remercie du plus profond de mon cœur et que je leur fais des gros bisous d'amour. Tout simplement, les amis. Alors, je vais vous montrer, vite fait, bien fait, puis pour ceux et celles où c'est trop long, ben vous avancez la vidéo, vous zappez, d'accord? Il n'y a pas d'inquiétude. Voilà, donc je vous montre bien, vite fait. Voilà, en dos, il n'y a rien, c'est des cartes de couleur, donc cartonnées, et j'ai marqué selon ce que je ressentais au niveau canalisation. Voilà, tout simplement. Donc, il y en a quand même pas mal, hein, les amis. Voilà, force, courage, esprit, fatigue, stress, mes guides vous aiment, la peur, retour de. C'est tous mes mots, hein, rester positif, pur, voyage, déplacement, bientôt, visage dans les nuages, procrastiner. Une certaine prestance, pardon, manque de confiance en soi, les semaines. Je vous dis vite fait, les amis, puisque après je vais vous en tirer visualiser du positif, le chiffre 7. Alors je la mets de côté, je vous expliquerai pourquoi. Jésus est avec toi. Je la mets de côté aussi. Blocage, le nom, femme. Alors, écoutez vos intuitions. Nouveau départ. Soyez attentifs aux heures miroirs. Alors là, ne rigolez pas, c'est moi qui ai dessiné l'oiseau. On a pris un fou rire avec mes enfants. Regardez, les oiseaux, oui, les oiseaux vous parlent. Alors il y a même peut-être une faute à parle, mince. Bon, on s'en fout. Regardez la tête de mon oiseau. Et mes enfants, ils me disent, il fait peur ton oiseau. Ouais, non, toi, il t'a pas fait peur, toi, mon matou d'amour. Un petit ange vous envoie des plumes, l'équilibre, la passion. Les mois s'aimer soit une aide. Faites des prières. Ah, c'est celle-là, je crois. Oui, aussi. Oui. Soyez en paix les jours, enfants. Étoile brillante. Chakra de la gorge. Tout ce qui m'est venu en canalisation avec l'aide de mes guides. Hein. Faites vos choix avec votre cœur, votre âme. Une vérité à savoir, le papillon, le chiffre 33, âme à âme, une connexion, passé, action, passé ou pas, l'amour, tout vient à point à qui sait attendre, lien toxique, love, maison, la terre-mère Gaïa. Votre situation, confiance en soi, le soleil, lenteur, les chiffres. Alors, c'est ce qui est me venu en tête, c'est ces chiffres-là. Le pourquoi du comment, on ne saura pas, mais je vous le dis. 1, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 17, 20, 21, 44, 52, 44. Le 44 m'est venu deux fois. Donc, voilà. Donc, les chiffres, soyez attentifs. La jalousie, un cadeau, un secret, l'église. Donc ça, je la mets là parce que je vous expliquerai pourquoi. Le miracle, maman Marie, celle-là aussi. Une tierce personne, attention. Le travail, lâcher prise. Il y en a, hein. Je vous ai dit, j'ai mis au moins 4-5 heures. Le hasard n'existe pas. Ayez de la bienveillance. Un homme. Gratitude. Namasté. Merci. Un appel. Voilà les amis. Alors, je vais. Franchement, je n'ai même pas compté combien il y en avait. J'ai fait avec mon cœur, mon âme, mon écoute, avec mes guides d'amour, que je remercierai jamais assez, que je les aime, de toute beauté, magnifique. Voilà, c'est une dinguerie. Franchement, j'aurais jamais cru que j'aurais fait ça aussi rapidement et aussi vite. Ouais. Alors, il faut savoir que là, il n'y a rien au dos.
Au début, on voulait mettre le petit Jésus d'amour au dos de chaque carte, mais je vous assure, je dessine très mal. Mon fils dessine super bien, enfin super bien à mon avis. Hein. Et donc, regardez, il y a des cartes maîtresses. Donc là, nous avons la carte Maman-Marie en carte maîtresse. Nous avons l'Église se recueillir. Nous avons fête des prières. Nous avons Jésus est avec toi. Et nous avons le chiffre 7. Et il y avait aussi le chiffre 33, je crois. Oui, il y a aussi le chiffre 33, normalement. Bon, bref. Et regardez derrière au dos. Mon petit mamour d'amour, Juju d'amour, mon fils a fait Jésus. Donc, c'est des cartes maîtresses. Au début, je voulais qu'il me l'en fasse dans toutes les cartes. Mais finalement, je voulais garder des cartes maîtresses avec Jésus d'amour. Donc, regardez. Voilà. Différemment, mais c'est notre petit Jésus d'amour. Fait avec cœur, mon fils a fait ça avec cœur pour vous les amis, de toute beauté. Voilà, donc c'est important, c'est des cartes maîtresses de mon oracle. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à liker, à partager et pourquoi pas laisser un commentaire si seulement le cœur vous en dit les amis. Et on va commencer à voir s'il y a des messages pour aller en concordance avec l'oracle des miroirs. Sachez que comme ça a été fait avec cœur et avec âme, je pense que ça devrait plutôt bien ressortir. Hein. D'accord? Allez, on y go les amis, vous êtes prêts? Allez, on y va. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, y a-t-il des messages avec cet oracle, mon oracle, pour aller en concordance avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît? Oh, yeah! Alors, on va les mettre et après, je vous lis, d'accord? Parce que sinon, je vais être obligée de toujours m'arrêter. Allez, s'il vous plaît. Mes guides d'amour, y a-t-il des messages avec mon oracle? Je vous dirai, j'ai le titre, mais pour l'instant, je ne vous le dis pas. Je vous expliquerai pourquoi. Allez, s'il vous plaît, mes guides, y a-t-il des messages d'amour? Oui, d'amour aussi, hein, pour les personnes à laquelle cette évidence leur parlera. Allez. On va faire deux et celle-là. Ok. Alors là, déjà, en premier temps, on a manque de confiance en soi. Donc là, en l'occurrence, c'est des personnes, oui, avec le bouclier, j'entends, et le renfermement, enfermement. Il y a bien un manque de, on vous dit, un manque de confiance en vous. Travaillez cela, faites des méditations pour vous apaiser, pour lâcher prise et pour vous aider à retrouver cette hargne, j'entends, cette hargne de confiance en soi. Il faut que vous ayez confiance en vous. D'accord ? Ensuite, regardez, nous avons l'Église. Allez à l'Église vous recueillir si vous êtes bloqué, si vous êtes apeuré dans une situation à laquelle vous n'arrivez pas à vous en sortir. N'hésitez pas, c'est pas forcé, c'est simplement un conseil. Allez vous recueillir à l'Église. Je vous le répète, c'est une carte maîtresse de l'oracle avec Jésus d'amour. Et on vous dit, cela pourrait vous aider à lâcher prise, à avoir des réponses aussi. L'amour, n'oublions pas, c'est des réponses, hein, une réponse à nos questions. On vous dit, on vous demande, là, dans la situation à laquelle elle va se bloquer, là, au niveau des compromis, des négociations, on vous demande, restez dans une forme de gratitude, de remerciement et namasté. Hein. C'est important, les amis. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Y a-t-il d'autres messages pour les personnes à laquelle cette guidance générale leur parlera pour aller en concordance avec l'oracle miroirs? Regardez, qu'est-ce que je venais de vous dire il y a un instant. Lâchez prise. Vous avez vu, c'est tout simplicité, c'est tout moi, c'est tout naturel. Hein, il n'y a pas de chichi, c'est tout naturel, ces cartes. Hein. Ok, et on vous dit, regardez, on confirme avec la carte retard la lenteur. Oui, il y a un petit peu de la lenteur avant que cette situation se vienne à vous, pardon. Mais pas d'inquiétude, ça va se mettre dans la matière. Hein. Allez, s'il vous plaît. Alors là, on me dit en canalisation, les amis, pour ceux et celles qui sont en triangulaire, en carré amoureux, essayez de contrôler quand même votre forme de jalousie. Tout va venir au bon moment. D'accord? Ça ne sert à rien d'être dans des énergies négatives comme ceci. D'accord? Ouh, regardez encore une carte maîtresse. Maman Marie est avec nous. Oh, moi, je t'envoie des gros bisous d'amour. Maman Marie est avec nous de toute beauté. Carte maîtresse, je vous le rappelle. Hein, avec Jésus au dos. J'adore. On adore. Merci, moi, maman d'amour. Moi aussi. Toi aussi, t'aimes ça, mon boubou? Moi aussi, j'aime ça.
Sultane. Oui, toi aussi t'aimes Sultane. Allez, s'il vous plaît, y a-t-il d'autres messages? Ouh, on adore, ça parle. Le papillon, oui, pourquoi ça prend des retards, de la lenteur parce qu'il y a encore soit vous ou la personne tierce qui est en transformation, en transmutation. Regardez, à nouveau, nous avons la carte aussi jalousie. Attention à la jalousie pour pas non plus que cela vous attire des mauvaises ondes. Hein. Essayez de vous contrôler, hein. C'est important. Si vous voyez que la jalousie, ça en vient en forme de possessivité ou autre, ce n'est pas bon, les amis, on le dit là maintenant, de suite, d'accord? Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, y a-t-il d'autres messages? Pour les personnes à laquelle cette guidance générale leur parlera et leur correspondra. J'adore. Wow. Regardez, nous avons Love. La tierce personne, pour ceux à qui ça parle au niveau sentimental, vous dit Love. D'accord? T'aime, je t'aime. Amour aussi, oui. D'accord, c'est tout ce qui me vient. Regardez, non mais c'est dingue, c'est la première fois que je me sers. Je l'ai fait aujourd'hui. J'ai l'impression que toutes les cartes maîtresses de l'oracle vont sortir. Regardez, le chiffre 33, c'est le chiffre divin. Donc là, regardez, carte maîtresse encore de l'oracle. C'est fou, fou, fou. C'est pour honorer, on est en train de me dire, mes guides sont en train de me dire, pour honorer mon nouveau oracle d'aujourd'hui que j'ai fait avec rapidité. J'adore, on adore. Donc là, pour certaines personnes, effectivement, votre chiffre préféré peut être le 33, on me dit là maintenant de suite en canalisation, ou bien votre chiffre d'habitat, d'une rue, d'une date de naissance, peut-être aussi additionné, on me dit le chiffre 33, 3 et 3, 6 au niveau de l'amoureux, et peut-être faire aussi un choix. Il y a un choix à faire avec l'amoureux. Attention, là, on me dit aussi, il y a des blocages. Oui, on le savait, il y a des blocages dus à l'enfermement, à l'inquiétude de savoir comment ça va se passer. Mais l'ange Michel vous disait il y a un instant, patience, tout va t'arriver. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, y a-t-il d'autres messages? On va vraiment l'honorer, on va prendre celui-là et après, on fera peut-être un petit peu les breloques, on verra. J'adore. Alors là, pas d'inquiétude, vous allez avoir un appel. Vous allez avoir un appel, ok? Donc, pas d'inquiétude, on va vous appeler. On va vous donner peut-être aussi un texto, parce qu'en sorte, là, c'est quand même un portable, un email, ce que vous voulez. Là, en l'occurrence, on dit un appel en priorité, mais cela peut être aussi un SMS, un email, ou bien un appel tout simplement. Voilà, je vais y arriver. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour. Alors, oh, le fameux oiseau. Les oiseaux vous parlent. Pour les personnes, vous le sentez. Vous allez avoir des oiseaux. Là, maintenant, de suite, en canalisation, on me dit, soyez, ayez un esprit ouvert au niveau des oiseaux. Vous allez peut-être avoir des oiseaux au niveau de votre bord de fenêtre. Au niveau de votre chemin. Pour aller soit au travail ou en course ou à un rendez-vous particulier. Pardon, excusez-moi, j'ai loqué. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, attendez, je bois un petit coup. Il y a peut-être quelqu'un là derrière qui a loqué et qui me l'a refilé. Bon, est-ce que c'est passé ou pas, je ne sais pas. D'un seul coup, d'un seul. Hein. Donc, c'est un signe pour quelqu'un. D'accord, c'est là qu'on me le dit. Donc, on vous dit, soyez vraiment à l'écoute des oiseaux, c'est très, très important. Moi-même, hein. Ça peut aussi être pas tout seul un oiseau. Moi, pas parler français, on s'en fout. Ça peut être deux oiseaux et ça vous prouve comme quoi il y a un couple qui arrive, il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Ou alors un oiseau devant et un oiseau derrière. Et ça vous prouve qu'il y en a un qui joue au chat et à la souris. Merci à mes guides. Je reprends ma respiration. Allez, s'il vous plaît, y a-t-il d'autres messages? Oui, visualisez du positif. Plus vous allez visualiser, plus cela va arriver dans la matière et en l'occurrence, venir plus vite qu'on ne le pense. D'accord? Allez, on en reprend, on va revoir. Ouh! Oh là là, non mais c'est fou! C'est fou, on a toutes les cartes maîtresses. Merci, merci mes guides d'amour. Merci à Jésus. Je ressens que vous êtes vers moi. C'est fou, fou, fou. Le chiffre 7, encore une carte maîtresse de mon oracle.
Je vous assure, les amis, hein, là, attendez, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Là, nous sommes à entre 12 et 13 cartes. J'ai bien au moins une cinquantaine de cartes. Hein, donc, vous voyez, hein, ils sont vraiment bien avec nous. Et ça parlera forcément à ceux que le chiffre leur parlera. Soit un habitat comme le mien, votre chiffre préféré comme le mien, ou une date de naissance, ou bien une date de rendez-vous, ou j'entends aussi le 7, le mois de juillet. Hein. Allez, y a-t-il d'autres messages, s'il vous plaît, mes guides? Mais qu'est-ce qu'on vous aime? Oh oui, on vous aime d'amour. Moi et même les amis abonnés, hein, ils me le disent. Hein, merci à mes guides. Donc, je vous le fais passer le message. Une tierce personne, attention. Oui, je vous l'avais déjà dit, là. Une tierce personne, c'est-à-dire que là, c'est dans des formes de triangulaire ou de la jalousie autour de vous au niveau du travail, professionnellement parlant. Ou de ce que vous allez acquérir, peut-être dans l'immobilier. Ça me parle beaucoup, immobilier. Donc, faites attention, soyez quand même attentifs. Écoutez votre intuition. Vous saurez si les personnes sont bonnes ou pas bonnes. Allez, s'il vous plaît, on est rendu déjà à 35 minutes. Je suis désolée, les amis. Il faut que je me dépêche. Parce que il y en a un qui va gueuler. Oui, il travaille demain, donc il va aller se coucher. Oui, je sais. Je raconte ma vie, mais c'est ce que j'aime. Je vous ai déjà dit, je suis vous, vous êtes moi. Tout simplement, pas de chichi. Allez, go. Y a-t-il d'autres messages? On en arrête là, on prend les breloques. Vous me dites, mes guides d'amour. Oh, merci. Restez positif. Deux fois, on vous le dit. Restez positif. Deux decks. Restez positif. OK? Et là, on vous dit oui. Dans les mois qui arrivent, là. Restez positif. Tout va arriver dans quelques mois. OK? Nouveau départ, on me dit. Nouveau départ. Ok, les amis, j'espère que cela vous aura plu, franchement, parce que, je vous le dis honnêtement, c'est fait vraiment avec le cœur. Et franchement, ce qu'il y a de plus beau, c'est quand c'est nous-mêmes qui le faisons et ça sort et les messages sont de pureté. Voilà, tout simplement. On va prendre un chiffre, une page au hasard, s'il vous plaît, mes guides, et je vais vous dire le chiffre. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, merci de m'arrêter à une des pages. Ok, merci. Et là, c'est le 762. Pour les personnes qui voient le chiffre 762, donc je le répète, soit dans une plaque d'immatriculation, soit à la télévision, ou dans l'heure, c'est fort possible, dans l'heure, il y a quoi d'autre, dans une vidéo, etc., etc., c'est pour vous. Croyez que vos besoins sont pris en charge maintenant que vous prenez mieux soin de vous-même et écoutez davantage votre intuition. C'est fou, c'est ce que je venais de vous dire là pour la tierce personne. Écoutez votre intuition, vous saurez si les gens sont faux ou vrais avec vous, les amis. On va quand même prendre une petite carte de... il m'appelle et après les breloques. Et après, on aura fini. Voilà, parce qu'il faut que je speed. Donc là, c'est l'oracle des âmes éternelles. Hein. Il m'appelle, donc on va aller voir. Peut-être un petit message seulement, mais on va aller voir. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour, y a-t-il un message pour cette guidance générale et pour toutes les personnes à laquelle ça parlera? Et pour aller en concordance avec l'oracle des miroirs? L'oracle, mon oracle à moi d'amour, bientôt je dirai le titre, parce que finalement, maintenant j'hésite entre deux. C'est pour ça que je ne peux pas vous le dire. Alors, on me dit quoi là? Ouais, flamme intérieure étincelante. Là, il y a le feu. Il y a le feu en vous. Vous avez le feu. Vous avez la passion. Cela vous brûle. Mais là, j'entends maintenant de suite, il y a vous et pour les personnes, les tierces personnes, c'est pareil, c'est la même. Y a-t-il d'autres messages, s'il vous plaît, mes guides d'amour? Qu'on vous aime, qu'on vous aime, on vous aime. Oui, on vous aime, on vous aime. Gratitude. Eh ouais, y a pas une surprise, un cadeau. Alors là, j'entends certes, il va y avoir du retard, mais il y a bien une surprise, un cadeau qui arrive à vous. Et en dos de deck, on me dit succès, bonheur. Y a pas harmonie, c'est ce que je vous disais là.
avec l'oracle des miroirs. Ok, merci. On me dit c'est tout. Vous m'excusez si je bafouille un peu. J'étais obligée de reprendre un petit chewing-gum pour adoucir ma langue. J'ai hâte à être lundi soir pour mon rendez-vous d'ostéopathe. Parce que j'ai vraiment hâte. Oula, j'ai failli faire tomber le téléphone. Non, 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 non. Hein? Oh! Allez, on y go les amis! On y go! Hop, que deux là, tiens. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Oh! Fou! Encore arrêt maladie. C'est fou ça! Hein? J'ai déjà eu deux, trois guidances. En gros, c'était marqué arrêt maladie. Donc, il y a encore des personnes, soit vous êtes en arrêt maladie actuellement, ou bien vous allez l'être. Et si j'entends là maintenant dessus en canalisation, si vous êtes en arrêt maladie en ce moment même, on vous dit pas d'inquiétude parce que il y aura des négociations au niveau de votre travail. Hein, au niveau, il y aura des facilités au niveau papier. D'accord? Signature papier. Et là, on vous parle d'un futur mariage. Alors, attention. Qu'est-ce qu'on me dit là? Donc, il y a des personnes qui sont déjà actuellement en mariage, d'accord, qui sont déjà mariées, pardon, mais on vous dit, il y en a pour d'autres, certes, il y aura un autre mariage. Soit ils vont se marier pour la première fois, ou on me dit, là maintenant, du coup, en canalisation, ils se remarieront pour la deuxième fois ou plusieurs fois. Voilà, tout simplement. On va aller voir au niveau des vololocs et après on arrêtera parce que je suis rendue à 40 minutes. Je suis vraiment désolée les amis, c'est j'ai tellement voulu vous montrer pardon mon nouveau oracle que du coup ça a pris du temps. Veuillez m'en excuser, mais soyez dans la bienveillance. Yep. Allez hop, oh là là, j'en ai pris les trucs. C'est dingue, je m'en rends pas compte. Allez go. Oui, regardez encore. Hein. Il y a une notion de Internet, là, les réseaux sociaux. Il va y avoir des nouvelles. Alors, soit le téléphone, un appel, email, SMS, comme vous le voulez. Regardez, c'est fou, fou, fou. Il y a encore le coquillage, les amis. Il y a encore le coquillage. Donc, il y a une communication qui arrive vers vous, mais on vous demande d'être à l'écoute. Soyez attentifs. Non seulement à la personne qui viendra, mais aussi pour les signes que l'invisible va vous mettre sur votre chemin. Là, on vous demande, les amis, de porter des pierres. Vous voyez, de la lithothérapie, ça s'appelle. Soit comme moi, un bracelet d'améthyste ou des pierres, quartz rose, cristal, œil de tigre, pour vous protéger peut-être des nuisances autour de vous parce que vous serez pas mal jalousé. Là, on vous dit, regardez de toute beauté, là, ce que j'entends de suite. Vous allez briller, vous allez être en évolution, en élévation, mais avec brillance, avec une lumière splendide de toute beauté. Voilà. Alors là, je l'ai au bout de la langue. Puis Matou, il s'est endormi dans mon lit. Mince. Alors, c'est une forme de poisson, mais comme on dit, oh, c'est magnifique en plus. Oh, je sais plus. Regardez. Je sais pas si vous voyez bien. Oh, zut, comment on appelle ça? Oh, ben, écoutez, on va appeler ça comme un poisson. Là, il y a peut-être des poissons, signe poisson, ascendant poisson. Voilà, vous m'aurez comprise. De toute façon, en tous les cas, c'est quelque chose, j'entends là maintenant de suite, ça va être de toute beauté. Il y a quelque chose, une notion de magnifique ici qui arrive à vous regarder. Oh, magnifique, le cheval, regardez avec élégance. Alors là, attention, hein, il y a quelqu'un de fier qui arrive vers vous, hein, qui a une prestance magnifique. Vous allez craquer, je l'entends de suite. Et il vient vers vous à grands pas quand même. Vous voyez, on avait la carte du retard, mais là, on vous dit, espérez que ça vienne vraiment au plus vite et ça sera possible si vous visualisez les choses. Magnifique de toute beauté. On adore. On adore. On adore. Ouais, voilà, Aurore, merci. Ah, voilà, c'était le petit moment de folie.
Là, vous avez l'étoile magnifique. Vous êtes une étoile, les amis, de toute beauté. Vous allez briller. Vous allez briller ou vous brillez déjà actuellement. Et cela se remarque dès que vous passiez. On ne voit que vous. On est en train de me dire maintenant canalisation. J'adore. Et regardez, nous avons le chiffre 6, le chiffre de l'amoureux. Donc, je vous le disais tout à l'heure, il y a un amoureux, un futur amoureux qui arrive vers vous. Et en plus de cela, vous allez devoir faire un choix. Parce que l'amoureux, je le répète, en carte tarot, ça peut être aussi de faire, d'avoir un choix entre deux possibilités. Mais rappelons-nous, on a encore la clé. Vous avez la clé. Donc ne l'oubliez pas, vous avez la clé. La clé est en vous. C'est à vous d'avoir les réponses qui sont en vous. C'est à vous d'aller chercher à l'intérieur de vous, les amis. On a donc. N'hésitez pas à liker, à partager et pourquoi pas à laisser un commentaire si seulement le cœur vous en dit, les amis. Je vous en remercie. Je vous dis aussi, s'il vous plaît, les amis, ça me tient à cœur. N'hésitez pas d'être dans la prière. C'est bien. Pas de forcing, mais j'aime bien le dire, dans la prière pour tous ceux qui sont dans des soucis particuliers, dans des maladies ou aussi pour les SDF, s'il vous plaît. Je ne le dirai pas toutes mes guidances, mais parfois j'aime bien le rappeler. Donc, merci pour votre gentillesse de prier pour toutes les personnes qui en ont besoin. Merci. Merci, s'il vous plaît, aussi, les amis, de rester dans une forme de bienveillance, de sagesse, de paix, mais surtout, les amis, de l'amour pour vous en premier lieu et l'amour pour autrui ensuite. Je vous remercie et je vous dis à une prochaine vidéo pour une prochaine guidance. Je vous envoie des gros bisous d'amour et des énergies positives. Ciao, ciao, les amis.